Là, on est aux universités des étoiles du sport avec les plus grands champions. Je suis avec mon pote Flo Pietrus. Il va faire une démo et je vais piéger ses fans. C'est qui? Florent Pietrus. Florent Pietrus. Ah ouais. Ah non, mais c'était le mec qui a été en équipe de France, c'est ça? Oui, oui. Ah, mais il est nul. Il était perso, vous vous rappelez pas? Champion d'Europe en 2013. Enfin, c'était une chèvre. Attends, il était à 1 mètre du panier, à chaque fois il ratait tout. Quand on fait une carrière de 15 ans en équipe de France, c'est qu'on doit pas être si nul que ça. J'ai été le voir à Pau avec l'équipe de France. Et alors, il était nul? Non, c'était une... Ouais, d'accord. Ouais. C'est facile sans défenseur. Hein. Moi aussi, je peux le faire. Hein. Non, parce que quelquefois, les sportifs, ils ont un boulard. Oh, même des non-sportifs, ils ont un boulard. Hein. Ah bon? Monsieur Pietrus, je peux prendre une photo, s'il vous plaît? Je vous suis depuis toujours, j'adore votre carrière et tout. Monsieur a dit que vous n'étiez pas super fort, mais je suis venu tout... Si, non, mais monsieur, vous avez dit que... Ouais, voilà. c'est ça. Non, mais... C'est lui qui a dit, il déconne. Non, non, franchement, j'ai dit que je vous adore. La vérité, je vous l'ai dit, parce que moi, je viens de connaître deux secondes, c'est lui qui vous a craché dessus, là, pendant 5 minutes. Moi, j'ai dit que c'était le meilleur joueur du monde. Moi, j'aime pas du tout que les gens qui crachent de mon dos. Si t'as quelque chose à me dire, Non, si vous avez des choses à dire, moi je suis là. Est-ce que je peux répéter? N'attends pas que je vais te tourner pour me parler. Répéter ce que je lui ai dit. Non, mais moi je m'en fous. Il a dit que t'étais une grosse chèvre et que tu méritais pas d'être en équipe de France. Si vous avez quelque chose à me dire, tu me dis. Mais il est sérieux? Non, Florent, je peux te dire. Je peux te dire dans les yeux ou pas? Moi j'accepte pas ça. Mais Florent, je serais comme toi. Et moi à ta place, il y a une caméra cachée, c'est pas possible. Ouais, il y a une caméra cachée, c'est une blague. C'est pas vrai. Non, c'est une connerie. Allez, regarde, il y a une caméra là-bas. Quoi? Il y a une caméra. Putain, vous êtes fous, quoi. J'allais péter un câble, moi. Et j'en tremble, là. Bon, on a bien réussi. Vive la fille de Vichy, qui est vraiment magnifique, qui a accueilli cette année les étoiles du sport, une ville sportive très jolie et avec des habitants qui sont toujours prêts à défendre nos champions. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Dites-nous en commentaire s'il y a des Auvergnats parmi vous. Et restez bien connectés car bientôt, une vidéo avec l'équipe de France de basket.